J'aimerais introduire mon message de ce matin par un texte que l'on trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 126. C'est ce que j'appelle le psaume de l'espérance et le psaume de la restauration. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs. Comme des ruisseaux dans le midi, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Amen. Quand j'ai appris que Sylvain devait témoigner ce matin, j'ai changé le thème de mon message et j'ai eu à cœur de parler spécialement ce matin à nos frères rétrogrades. Je sais que je ne m'adresserai pas à la totalité de cette assemblée, même si éventuellement il y aura un mot de Dieu pour chacun d'entre nous, mais j'aimerais que le témoignage de notre frère puisse être en quelque sorte l'écho du message de ce matin pour nos amis rétrogrades. Éternel, ramène nos captifs. C'était là le cri, la prière, la supplication des hommes de Dieu, des leaders qui étaient dans la déportation. Et si on remonte dans l'histoire, pour ceux qui connaissent leur Bible, vous savez comment le peuple d'Israël, à cause de la désobéissance, de l'immoralité, du péché qui s'est succédé roi après roi, parmi les tribus d'Israël, cette conséquence a été dramatique, c'est que Dieu avait décidé de les déporter. Et il faut considérer une chose, c'est que la réprimande de l'Éternel n'a pas le sens d'une punition, mais d'une correction pour ramener à la raison celui qui s'est égaré loin du Seigneur. Et Dieu va donc, selon les promesses même faites par Jérémie le prophète, ramener son peuple à Jérusalem. Déporté pendant 70 ans à Babylone, le peuple d'Israël est dans les larmes et dans les pleurs et il paye les conséquences d'avoir abandonné l'Éternel. Mais voici que Dieu va en quelque sorte entreprendre un processus que j'appelle le processus du retour qui permettra au peuple d'Israël de retrouver sa terre, de retrouver son temple, son système sacerdotal et la bénédiction de l'Éternel. Et j'aimerais avec vous ce matin, rapidement, je ne veux pas être trop long, voir quelles ont été les différentes étapes de ce processus qui a permis le retour du peuple et la reconstruction et la restauration du peuple d'Israël. La première des choses, en lisant le livre de Néhémie, au premier chapitre, on se rend compte que la première des choses, c'est que Néhémie et les hommes de Dieu de son temps, Zorobabel, Esdras, ont pris conscience de l'état dans lequel ils se trouvaient et n'ont pas cherché, en quelque sorte, à rendre responsables les autres, ni même Dieu. Mais il a dit dans sa prière au chapitre 1er, « Nous sommes coupables, je suis coupable, c'est ma faute, ce n'est pas la faute des autres, ce n'est pas la faute d'un tel, ou de mon frère, ou de ma sœur, ou des circonstances de la vie. Non, j'ai eu tous les moyens pour rester fidèle, et je ne suis pas fidèle aujourd'hui. » Il a pris conscience, il y a un retour de sa conscience. Et on retrouve d'ailleurs ce même thème dans le chapitre 15 du livre de Luc, lorsque l'enfant qui s'est égaré, éloigné du père,
l'enfant prodigue, prend conscience de sa situation. Il se frappe la poitrine et reconnaît toute la responsabilité de l'état dans lequel il se trouve. Nous sommes responsables. Tu es responsable. Même si éventuellement on peut toujours trouver quelques circonstances atténuantes pour excuser notre égarement, c'est vrai. Mais malgré tout, nous sommes responsables. Parce que Dieu a mis à notre disposition tout ce que nous avions besoin pour être et rester fidèles à notre Seigneur. N'avons-nous pas nos églises ? N'avons-nous pas nos pasteurs ? N'avons-nous pas la Bible ? Que serions-nous si, comme certains que j'ai connus au fond de la Sibérie, des hommes de Dieu qui ont été privés pendant 14 ans de liberté et qui n'avaient ni Bible, ni communion fraternelle, ni frères à côté d'eux pour les encourager et qui sont restés fidèles au Seigneur. Fidèles au Seigneur en toutes circonstances, dans des situations terribles, par moins 60, dans des camps de travail au fond des goulags de Sibérie. Ces hommes sont restés fidèles. Nous avons à notre disposition, et le peuple avait à sa disposition tout ce qu'il fallait. Mais son cœur s'est endurci, son cœur s'est éloigné de l'Éternel. Il a fallu qu'il prenne conscience, et ce matin, spécialement avec le témoignage qui nous a été rendu, Dieu, le Seigneur, ne reçoit que ses enfants, et nous sommes ses enfants. Mais hélas, quelquefois, comme l'enfant prodigue, et comme disait le père à l'enfant prodigue, mon fils, c'était son fils, mais il était mort, et il est revenu à la vie. Mon fils, c'est son fils, il était perdu et il a été retrouvé. Tu es son fils, tu es sa fille, mais tu es mort spirituellement et tu peux revenir à la vie ce matin. Car le Dieu que nous avons est le Dieu de la seconde chance. Il est le Dieu de la maison du potier que Jérémie regarde travailler quand il fait un second vase avec l'argile. Il veut faire de toi un nouveau vase. Il est celui qui te tend la main ce matin. Mais prends conscience de la position où tu te trouves. Tu as peut-être le nom de fils, mais n'es-tu pas ce fils perdu, ce fils égaré qui a besoin de revenir à la maison paternelle ? Le peuple a pris conscience de son état, de sa position. Je voudrais que ce matin, tu ne te trompes pas toi-même. Tu ne dises pas dans une fausse sécurité, « Oh, mais je suis bien comme je suis, de toute façon, il n'y a pas que moi comme ça. » Mais c'est vrai qu'il y en avait des milliers en Israël qui étaient dans la déportation et dans le malheur et qui sont morts en déportation, hélas. Mais ils ont pris conscience parce que les hommes leur ont annoncé le message du retour, l'espérance du retour. Ils sont revenus en eux-mêmes, ils ont confessé leurs péchés, leurs misères, ils ont été travaillés par l'action du Saint-Esprit qui les a ramenés à la raison. Ils se sont pliés devant Dieu, ils ont accepté les conditions de Dieu et Dieu les a pardonnés et ils ont reçu le pardon et ils sont repartis pour une vie nouvelle en Jésus-Christ comme nous le faisons ce matin. Et pour eux, c'était une vie nouvelle en Israël. Le deuxième point, dans ce processus de la restauration, on le retrouve dans ce chapitre 8 du même livre de Néhémie, si vous voulez bien. Il est dit ici, au verset 3, « Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu de jour, sur la place qui était devant la porte des eaux, en présence de tous les hommes et de toutes les femmes et de tous ceux qui étaient capables d'entendre. » Au verset 8, il disait ici, « Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. » Puis au verset 10, il est dit ici, « Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Et comme le peuple pleurait, Néhémie s'est levé, il a dit, « Voici, ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Puis en conclusion, il est écrit ici, « Car ils avaient compris les paroles que l'on leur avait expliquées. » L'œuvre de la parole, l'efficacité de la parole. Le deuxième point important dans ce processus de retour, c'est la parole. Je bénis le Seigneur que nous sommes une mission qui est fondée sur la parole. Aujourd'hui,
dans le monde où nous vivons, hélas, la parole est bien souvent mise de côté, même dans certaines églises pseudo-évangéliques. La parole est mise de côté et on l'a remplacée par bien des phénomènes émotionnels et superficiels. Laissez-moi vous dire une chose, l'essentiel, c'est la parole. C'est elle qui est notre fondement, c'est sur elle que nous nous basons. C'est elle qui est notre assurance. Je bénis le Seigneur de ce que, jusqu'à aujourd'hui, les hommes qui enseignent notre mission et notre jeunesse à l'école biblique sont des fanatiques de la parole. Je m'excuse du mot, mais je les vois, je les entends. Je les vois piocher, sonder, chercher, s'investir dans la parole. Il y a un acharnement, une raison de vivre de la parole. Et je bénis Dieu pour cela. C'est une sécurité pour nous. Et que Dieu fasse que tous les jeunes qui sont passés par leurs mains au travers des enseignements qui sont faits dans notre école biblique puissent avoir ce même caractère de l'amour de la parole. Lorsqu'on n'a plus l'amour de la parole, lorsque l'amour n'a plus sa force, sa puissance, lorsque la parole n'a plus sa raison d'être, à ce moment-là, on peut dévier à toutes sortes de choses. Et laissez-moi vous dire une chose. Le peuple a été ramené à la parole. Esdras, qui était un scribe, un homme de la parole, lorsqu'il est arrivé dans cette ville de Jérusalem qui était détruite, la première des choses qu'il a cherché dans les décombres du temple, dans les décombres des synagogues, dans les cendres de ces carcasses de bâtiments brûlés, il a cherché les rouleaux du livre, il les a trouvés, il a retrouvé la parole. Il faut revenir à la parole pour ceux qui se sont éloignés de la parole. La parole est essentielle dans nos vies. Et je dirais que non pas seulement la parole, mais l'action de la parole. Aujourd'hui, certains font rire, amusent, mais laissez-moi vous dire une chose, comme disait un prédicateur, on n'est pas là pour amuser les gens, on n'est pas là pour faire rire les gens. La parole et l'action de la parole, elle est là pour faire pleurer les gens sur leurs péchés, pleurer le rétrograde sur son état, et le ramener à la vérité de la parole. C'est ça le sens de la parole. C'est ça l'action de la parole. Et comme disait un prédicateur, on a quelquefois 30 minutes pour prêcher l'évangile, pour faire passer quelqu'un de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et croyez-vous qu'on peut s'amuser à faire rire les gens? On a 30 minutes pour les amener à connaître le salut merveilleux en Jésus-Christ et les amener à plier les genoux devant la grâce, à demander pardon et recevoir le salut qui nous est donné. C'est ça le but de la prédication et c'est ça le but de la parole. On n'est pas là pour faire un show, on n'est pas là pour faire un one-man show ou pour faire un spectacle. On est là pour amener les gens aux pieds de Jésus-Christ par la parole. Prêche la parole, disait l'apôtre Paul à Timothée, prêche la parole. C'est vrai qu'il faut prêcher la parole, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses qui ne sont plus de la parole. J'étais dernièrement aux États-Unis, dans une grande ville, où il y a un immense stadium qui a été transformé en église, 15 000 personnes, et lorsque j'étais dans cette salle immense, et que j'ai eu l'occasion d'ailleurs à la télévision d'écouter plusieurs fois ce prédicateur, je me suis étonné de ne pas entendre une seule fois le nom de Jésus, de ne pas entendre le mot repentance, de ne pas entendre le mot péché, mais beaucoup de palabres sur la psychologie, on peut s'améliorer, on peut s'arranger. Une église de Pentecôte qui arrive à annoncer un tel message qui n'est plus de la parole, où on a mis la parole de côté, où on a mis Jésus de la parole, on se sert de la parole, mais on ne prêche plus la parole. Revenons à la parole, restons sur la parole, prêchons la parole. Et l'apôtre Paul au jeune Timothée, tout au début de l'Église, il lui a donné un conseil que je voudrais faire mien aussi et le faire vôtre. Il dira une chose étonnante, quelque chose qu'on se demande pourquoi il dira une telle chose, comment peut-on en arriver là? Il dira, souviens-toi de Jésus-Christ. Pouvons-nous oublier Jésus-Christ? Oui, on peut oublier Jésus-Christ. On peut oublier l'essentiel de Jésus-Christ. On peut garder un Jésus historique, avoir une certaine notion de Jésus. Oui, on connaît, on sait. Une certaine religiosité de Jésus. On sait, on connaît, mais on perd l'essentiel. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il ramène Timothée à la parole
et à Jésus. C'est ça l'essentiel. La parole et Jésus. Le reste, ce sont des options. Le peuple devait revenir à la parole. Et tous écoutaient. Tous ceux qui étaient là, tous ceux qui venaient de la déportation, tous ceux qui étaient sortis de Babylone et qui étaient retournés dans Juda et qui devaient avoir la charge de reconstruire la ville et le temple, étaient là avant toute chose, avant de commencer à reconstruire l'autel, avant de commencer à reconstruire le temple, avant de restaurer les murailles, il fallait remettre le peuple devant la parole. Chers amis, reviens à la parole. C'est l'essentiel pour ta vie. La parole te sauvera. La parole te dirigera. La parole te conduira. La parole te conseillera. La parole t'enseignera. La parole sauvera ta famille, sauvera tes enfants. La parole. Que Dieu fasse que la parole reste toujours efficace et vivante parmi notre mission pendant les temps qui nous restent encore. Le troisième point, je ne voudrais pas être trop long, nous le trouvons dans le livre d'Esdras au chapitre 3, j'aimerais le lire avec vous, c'est un texte important. Avant même de reconstruire le temple, peut-être que nous aurions agi de façon différente pour attirer le peuple, pour donner un sens, pour essayer de redonner une sorte d'émotion à ce peuple qui était resté captif pendant 70 ans. Dont certains étaient morts en captivité, pour leur redonner le yeux, peut-être qu'avant même qu'ils prennent conscience, peut-être qu'avant même de les amener à la connaissance ou à la reconnaissance ou au retour à la parole, nous aurions dit peut-être qu'il vaudrait mieux à ce moment-là faire une grande église. On va faire une grande église, on va monter un grand temple et on va réunir tout le monde et les gens vont se réjouir, ils vont danser, ils vont sauter, ils vont chanter, ça va être extraordinaire. On va faire une grande réunion, ça sera une émotion fantastique. Non. Dieu avait institué un processus, leur avait donné la sagesse pour instituer un processus et avant même de construire le temple. Savez-vous ce qu'il a fait, Esdras ? Regardez ce qu'il est marqué dans ce chapitre 3 du livre. Il est dit ici, « Zorobabel, fils de Shéthiath, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils offrirent des holocaustes et bâtirent l'autel sur ses fondements. » Il a fallu qu'ils cherchent les fondements. Dans les ruines, dans les gravats, dans les pierres, dans les cendres, ils ont voulu bâtir l'autel, mais pas n'importe où. Ils ont voulu bâtir l'autel sur ses fondements. Il y a des fondements dans notre vie sur lesquels nous avons bâti un autel un jour. Et dans quel état est cet autel aujourd'hui ? Est-ce qu'il est en ruine, l'autel de ton cœur, l'autel de ta vie ? Est-ce que tu brûles encore des parfums aujourd'hui dessus ? Est-ce que tu lui offres des holocaustes du matin, des holocaustes du soir, ou tu te contentes simplement d'un dimanche de temps en temps pour apporter une petite offrande de ton cœur en peut-être disant quelques mots de prière, en chantant un cantique et en te levant dès que tu as pris cette scène ? Est-ce que c'est ça l'autel des holocaustes? C'est plus que cela. Comme l'apôtre Paul nous le rappelle dans son épître au chapitre 12 des Romains, il dit « Offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant à l'Éternel. » Il y a combien de temps que tu ne t'es pas offert à Dieu comme un sacrifice vivant à l'Éternel? Quelque chose d'agréable. Offre ta vie, offre ton cœur, offre ton énergie. Offre tes projets, ton espérance, offre-toi tout entier sur l'autel de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez cela ? Dans quel état est l'autel des holocaustes dans ta maison ? Est-ce que tes enfants voient brûler le feu 24 heures sur 24 sur l'autel des holocaustes dans ta maison ? Est-ce qu'on y offre encore quelque chose ? Est-ce qu'on vient pour y brûler des parfums ? Est-ce qu'on vient pour voir monter cette flamme jusque vers l'Éternel ? Dans quel état est l'autel des holocaustes dans ta vie ? Dans quel état est ton autel ? Est-ce qu'il est fondé sur les fondements ou est-ce que tes holocaustes et ton autel sont déplacés quelque part dans les projets de ta vie, de ton existence, dans tes ambitions personnelles ? C'est ça ton autel aujourd'hui ? C'est à ça que tu offres aujourd'hui ? C'est à ça que tu te donnes ? C'est à ça que tu offres tes parfums aujourd'hui ?
de tes ambitions personnelles, de tes projets personnels. Reviens sur le fondement, cherche le fondement, reconstruis l'autel des holocaustes dans ta maison. Tes enfants doivent voir que tu y sacrifies du temps, que tu sacrifies ton amour, ton énergie, dans la prière, dans la consécration, dans l'amour pour sa parole. L'autel des holocaustes, dans quel état est-il dans ta maison? Et si tu es dans l'état où tu te trouves, cherche quelque part dans ta vie, dans quel état est l'autel des holocaustes. C'était le troisième point. Premier point, prise de conscience, ce sentiment profond du peuple d'être responsable de l'état dans lequel il se trouve. Et je voudrais vous dire une chose, que le Saint-Esprit ce matin puisse ouvrir tes yeux sur l'état dans lequel tu te trouves. Éclairer ta conscience, éclairer ton cœur, travailler ton âme, pour que poussé par le Saint-Esprit, tu te jettes à genoux et tu dis « Seigneur, j'ai péché, nous avons péché ». Si vous lisez ce premier chapitre que nous avons lu tout à l'heure de Néhémie, la prière de Néhémie est extraordinaire. Il dit « Écoute la prière de ton serviteur en ce moment, jour et nuit ». Pour tes serviteurs, tes enfants d'Israël, nous confessons nos péchés, les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison de mon père, nous avons péché, nous t'avons offensé et nous n'avons point obéi à tes commandements. Lui-même, le leader, va en quelque sorte, alors que c'est un homme juste, Néhémie est un homme de Dieu, mais il va s'associer à l'égarement de son peuple, il va s'associer, il va participer pour être là à côté d'eux, pour les relever en quelque sorte. Il va leur apprendre la prière du retour. Il va prier avec eux la prière de la repentance, la prière du retour. Nous avons péché et le peuple priera avec lui. Nous avons péché. Et cette attitude du cœur du peuple plaira à Dieu et Dieu bénira. Puis le retour à la parole, l'essentiel. Où est la parole dans ta maison aujourd'hui? Où est la parole? Peut-être que tu as ce petit verset, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peut-être que tu as un autre verset. Seigneur est un auditeur silencieux mais présent dans cette maison. On peut avoir la parole, on peut avoir des images de la parole, on peut avoir quelques bibles cachées quelque part au fond d'une armoire ou poussiéreuses sur une étagère. La parole doit avoir sa place dans ta maison. Elle doit avoir sa place dans ton cœur, dans ta vie, dans ton langage. Avoir le langage de la parole et non pas le langage du monde, le langage puéril. Le langage vulgaire de tous les hommes qui parlent un langage sale. Mais le langage de la parole, le langage de l'amour, le langage de la grâce, le langage de la bénédiction. Troisième point, reconstruire l'autel des holocaustes. Ça ne sert à rien de rebâtir le temple si on ne commence pas par l'autel des holocaustes. Regarde dans l'état que tu es ce matin. Est-ce que le feu brûle? Moi, je connais des foyers, je connais des familles, je connais des hommes, des femmes, des jeunes dont le feu brûle. Ça se sent, on le sait, on les entend chanter, on les entend prier, on les entend louer Dieu. Leur cœur n'est pas sec, il brûle du feu de Dieu et ça fait du bien, ça encourage. Nous étions avec un groupe où nous avons été bénis richement de voir toute cette jeunesse qui louait Dieu, qui bénissait Dieu. Mais c'est ça le feu de Dieu, c'est ça l'autel des holocaustes. Ils sacrifient leur jeunesse, ils sacrifient leur vie, ils sacrifient leur temps avec joie, non pas par contrainte, avec joie. Ils offraient à Dieu avec joie. Une obéissance joyeuse, un sacrifice joyeux à l'Éternel. L'autel des holocaustes brûlé dans cette mission. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et toi, tu es resté dans ta caravane, dans ton coin, et puis il n'y a rien qui brûlait chez toi. Il y avait autre chose qui brûlait. Les passions, les problèmes, les disputes, les dérèglements, les convoitises, les soucis, les tracas, les projets. Tout ça, c'est un feu qui est malsain. Et lorsque le feu de Dieu brûle dans le cœur, il balaye tous ces feux-là et il donne une véritable raison de se mettre sur l'autel des holocaustes. Mets-toi sur l'autel des holocaustes ce matin. Considère dans l'état et ton autel, dans ta maison, dans ta caravane, dans ton foyer, dans ton couple même peut-être. Peut-être que vous ne sacrifiez pas ensemble sur l'autel des holocaustes. Peut-être que tu as besoin de faire le point avec ton épouse ou avec ton époux, de dire ensemble,
nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous ferons brûler des parfums sur l'autel des holocaustes. Et tes enfants se convertiront certainement. Mais s'il n'y a pas de feu sur l'autel des holocaustes, dans ta caravane, dans ta maison, dans ton couple, c'est difficile pour un enfant d'avoir un modèle d'un foyer qui est véritablement consacré à l'Éternel. Et puis, pour passer rapidement, j'aimerais venir au quatrième point. Après avoir ramené le peuple dans sa conscience, après avoir ramené le peuple à la parole, après avoir ramené le peuple à reconstruire l'autel des holocaustes, il nous est dit ici, dans ce même chapitre d'Esdras, après avoir reconstruit l'autel des holocaustes, il est dit ici, « Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Ils avaient construit l'autel des holocaustes, mais le fondement du temple de l'Éternel n'était pas encore posé. » Alors il est dit ici, au chapitre 4, que, au verset 8 du chapitre 3, il est dit ici qu'à ce moment-là, ils décidèrent de reconstruire le temple. Ce n'était que ruine. Bien sûr, ce n'était pas la beauté du temple de Salomon. Ils l'ont fait selon leurs moyens, selon leurs capacités. Ils l'ont fait selon ce qu'ils avaient à leur disposition. Ils n'avaient pas certainement les ouvriers que Salomon avait pour reconstruire le temple. Ils n'avaient pas non plus toute la sagesse que Salomon avait pour reconstruire le temple. Mais ils ont fait avec leurs moyens, avec leurs capacités, leurs possibilités. Et Dieu les a bénis. Dieu les a bénis. Ils ont reconstruit le temple. Et ce temple-là a servi en quelque sorte comme deuxième temple pour être restauré, enjolivé, agrandi beaucoup plus tard par Hérode le Grand. C'est le temple que Jésus connaîtra. Mais ce temple-là, ils l'ont construit, ils l'ont relevé, ils ont relevé le temple. La maison de Dieu, dit la parole de Dieu, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans quel état est ton temple? Dans quel état est la maison de Dieu chez toi? On a besoin de revenir et construire de véritables maisons pour le Seigneur. La maison de Dieu. On prend soin de nos maisons. Ceux qui en ont le savent. On met des fleurs, des parterres, on la repeint, on l'arrange, on l'agrandit, on l'enjolive, on y met des beaux meubles selon les moyens de chacun. Ou même si ce n'est pas une maison, c'est un mobil-home ou une caravane, on aime notre maison. Aimes-tu la maison de Dieu comme tu aimes ta maison? Aimes-tu la maison de Dieu comme tu aimes la voir belle? Et la maison de Dieu, c'est toi. Laisse-moi te dire une chose, et je m'adresse au rétrograde ce matin. Peut-être que ta maison est en ruine et que le Saint-Esprit ne peut plus trouver sa place. Reconstruis la maison de Dieu. Reconstruis la maison de Dieu. Reconstruis le temple. Place-toi devant le Seigneur. Cherche sa face. Cherche la volonté de Dieu pour toi, pour ta vie. Reprends les matériaux nécessaires qui te permettront de reconstruire la maison de Dieu. Recherche les matériaux nécessaires. Il y a des matériaux importants, essentiels. Et ces matériaux, c'est la parole, c'est la prière. Les matériaux qui sont utilisés, c'est la communion avec Dieu, la relation avec Dieu. C'est ça qui est nécessaire pour nos vies, pour nos cœurs, pour construire ou reconstruire, ou embellir ou agrandir, ou donner de l'importance, ou la rendre plus belle, la maison de Dieu. Dans quel état est ta maison? Et un prophète disait à un homme un jour, mets de l'ordre dans ta maison, avant qu'il soit trop tard. Mets de l'ordre dans ta maison. Peut-être que tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta maison. Je m'adresse aux rétrogrades, à ceux dont la maison est en ruine, à ceux dont les bêtes sauvages en font leur tanière, à ceux dont les fenêtres sont ouvertes à tout vent. Et n'importe qui peut y venir, même le plus grand des voleurs, même le destructeur peut y pénétrer et faire des dommages, même dans des ruines. Il est encore capable de faire des dommages dans les ruines de ta maison. Laisse-moi te dire une chose. Ton foyer est une maison. Dans quel état est ta maison? Dans quel état sont tes enfants? Qui en est responsable? Peut-être que tu as tout fait pour que tes enfants soient dans l'état où tu te trouves et dans l'état où ils se trouvent. Tu leur as tout donné. Non pas dans le sens du bien, mais dans le sens de leur perte, dans le sens de leur ruine, dans le sens de leur égarement. Tu as facilité, en quelque sorte, leur départ vers des horizons, comme le fils prodigue qui a quitté la maison paternelle. Tu l'as facilité,
Tu as donné tous les moyens nécessaires. Il n'y a pas besoin de leur donner des moyens pour qu'ils aillent dans le monde. Pas besoin. Ils vont quand même dans le monde, même si on ne leur donne pas les moyens. Dans quel état est ta maison ? Ce qui s'est passé lorsqu'ils ont construit la maison et que le peuple se réjouissait, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était un événement extraordinaire. Et c'est toujours un événement extraordinaire lorsque Dieu reconstruit une maison, ou lorsque un homme, une femme décide de reconstruire avec Dieu une maison, parce que Dieu était avec eux, parce que Dieu approuvait le travail qu'ils faisaient, parce que la main de Dieu, dit Néhémie, était avec eux et les protégeait. Lorsque la maison a été terminée, avec toutes ces fioritures, ces garnitures, avec ces décorations, avec ces peintures, ces tentures et tout ce que vous voudrez, avec l'or qui était, le peuple s'est réjoui. Ça a été un moment extraordinaire, un moment extraordinaire. Il y avait des chanteurs par centaines, des musiciens, et c'était un moment d'une émotion intense, mais d'une émotion spirituelle, pas d'une émotion que l'on fabrique. Aujourd'hui, on crée de l'émotion. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a certaines communautés, quand le prédicateur prêche, alors on met un orgue derrière et puis on fait de la musique. Alors, de temps en temps, quand la parole est un peu plus intense et quand l'émotion de la prédication se fait sentir, alors le musicien derrière, il a des accords spéciaux. Et puis on fait une ambiance extraordinaire. Alors ça, c'est formidable. Mais si vous coupez le courant, il n'y a plus d'émotion. Mais l'émotion spirituelle produite par le Saint-Esprit, c'est autre chose. Il n'y a pas besoin de micro, il n'y a pas besoin de musique, il n'y a pas besoin de guitare, il n'y a pas besoin d'organiste derrière qui vous fait de la musique avec des mélodies spéciales pour que les gens soient touchés, que ça vibre de tous les côtés. Laissez-moi vous dire une chose, lorsque le Saint-Esprit travaille un cœur, lorsqu'il est brisé, et c'est ça qu'on veut voir, c'est ce que Dieu veut voir au milieu de nous, c'est que lorsque nous prêchons l'Évangile, eh bien le rétrograde tombe à genoux, demande pardon et reconstruit son autel, revient à la parole, reconstruit son temple, reconstruit son foyer, reconstruit son couple, ramène ses enfants et bénit sa maison. C'est ce que nous voulons voir par le Saint-Esprit. Pas de superficialité, pas de choses artificielles, seule l'action du Saint-Esprit au travers de la parole. C'est la parole qui bénit. C'est le Saint-Esprit au travers de la parole qui transforme les vies, qui change un cœur. À quoi servirait-il de voir arriver ici un pauvre drogué, pauvre alcoolique, lié par ses passions et sa misère, ou voir un couple qui est en train de divorcer et puis qui se déchire tous les jours et demain ils ont décidé d'en finir, ou même peut-être quelqu'un qui, dans son désespoir, est prêt à se suicider, venir ici et lui faire un tour d'entourloupette avec de la musique de tous les côtés, avec des grandes orgues et puis tout ce que vous voudrez, et puis qui repartirait avec son problème. Non, laissez-moi vous dire une chose, que le Seigneur fasse que le mot de Dieu pour lui, la parole de Dieu accompagnée du Saint-Esprit puisse pénétrer son temple détruit et le ramener à la vie et lui apporter la délivrance dont il a besoin. Et puis, lorsque le temple a été construit et que le Saint-Esprit est descendu, ce qu'on appelle la Shekinah, hein, c'est comme ça qu'on dit ? Shekinah, c'est la présence presque palpable de Dieu. Imaginez-vous la présence palpable. On pouvait presque toucher Dieu dans le temple. Les gens ont été effrayés. Ils se demandaient ce qui se passait. Mais il y avait une telle présence de Dieu que personne ne pouvait rentrer à l'intérieur. Personne ne pouvait rentrer. Même les sacrificateurs n'osaient plus rentrer. Il y avait une telle puissance, une telle présence de Dieu que tout le monde était là, bouleversé. Ah, c'est beau. Ah, c'est grand. Quand le Saint-Esprit nous visite, on n'entend plus trop des prières. C'est dommage. On n'entend plus trop des prières. Alors on remplace. On chante, on chante, on chante, on chante. Les gens ne prient plus. Il manque quelque chose. On n'a plus rien à dire à Dieu. On n'a plus de raison de le remercier, de le louer, de lui rendre grâce. On n'a plus de raison. Est-ce que nous n'avons pas été bénis ? Est-ce que nous n'avons pas été sauvés ? Est-ce que nous n'avons pas été rachetés ? Est-ce que nous n'avons pas un grand Dieu qui guérit, qui ressuscite, comme notre frère nous a dit tout à l'heure ? Qui ressuscite ? Est-ce que ça ne devrait pas faire exploser l'Église de cris de joie, de cris d'allégresse, exactement comme à ce moment-là, lorsque la présence de Dieu était telle que le peuple s'est mis à crier et on entendait dans toute la ville de Jérusalem le cri de ceux qui étaient là dans la présence de Dieu. Que Dieu fasse que ce matin, cette présence de Dieu au milieu de nous, fasse monter un cri de louange et d'adoration jusqu'au trône de la grâce. Reconstruire le temple. Le temple est saint, nous le rappelons ce matin.
Bien sûr, nous sommes saints, nous avons été sanctifiés par le sang précieux de Jésus, mais nous marchons aussi dans la sanctification. On n'est pas parfait, moi je ne suis pas parfait, Payon non plus, Jimmy non plus, les frères non plus, on n'est pas parfait, mais on progresse, on avance, hein, Mamadzi, on avance. Quelquefois on avance un petit peu bancal, ce n'est pas facile, mais on avance parce qu'on appartient à Jésus, parce qu'il est notre sauveur, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il nous a pardonnés, il a fait de nous ses enfants, nous sommes ses enfants. C'est là le privilège de tous ceux qui croient en son nom. Ils sont appelés enfants de Dieu. Quelle grâce! Et c'est par la foi, c'est pas par les mérites, c'est pas parce que nous sommes meilleurs les uns que les autres, mais c'est par grâce. Quelle grâce! C'est une telle grâce que nous devrions exploser de joie ce matin à cause de la grâce de Dieu et de l'amour de notre Sauveur. Je voudrais terminer juste sur ce dernier point. Lorsque Néhémie est revenu de la déportation, il entendait les chants des cantiques à Jérusalem, le temple brillait de toutes ses lumières, le feu et la fumée montaient sur l'autel des holocaustes, le peuple se réjouissait, mais ce jour-là il a fait le tour de la ville avec sa monture, il a fait le tour de la ville avec sa monture, et comme il a fait le tour de la ville avec sa monture, il a remarqué un spectacle qui a touché son cœur. Les murs de la ville étaient détruits pour la plupart et les portes étaient calcinées par le feu. Il a surtout imaginé les conséquences que cela pouvait avoir. Il savait qu'il y avait des ennemis et les ennemis sont là et les ennemis sont autour de toi et les ennemis te parlent peut-être à l'oreille en te disant « mais c'est pas la peine, tu n'y arriveras pas, tu as essayé pendant 10 ans d'être chrétien, tu n'y es jamais arrivé ». Ça va, laisse tomber, c'est pas pour toi. Non, ça c'est les ennemis qui voulaient empêcher des hommes comme Sambala. Vous avez entendu parler de Sambala ? Dans la Bible, on parle de Sambala. Qui voulait empêcher. Esdras, Zorobabel et Néhémie et toute son équipe de bâtisseurs de reconstruire la ville. Il y en a toujours qui vont t'empêcher. Peut-être quelqu'un de proche de toi voudra te décourager. Ne te décourage pas. Ils étaient là, lançant des pics, se moquant d'eux. Faisant des menaces quelquefois. Sambala faisait des menaces en disant « vous n'y arriverez pas, on va venir la nuit ». Et ils ont posté des gardes tout autour, dans les montagnes, partout. Ils ont posté des gardes et dès qu'un ennemi arrivait, il sonnait de la trompette. « Attention, voilà Sambala et ses armées qui arrivent ». Laisse-moi te dire une chose, si l'ennemi s'approche de toi, sonne de la trompette, appelle des frères, des sœurs et combattez ensemble contre cet ennemi et remportez la victoire. Ne laissez pas l'ennemi détruire l'œuvre de Dieu qui est en train de se faire au milieu de vous et dans votre cœur. Il est en train de restaurer, il est en train de ramener, il est en train de vous ramener au pied de la parole, il est en train de travailler ta conscience, il est en train de reconstruire ton temple. Ne laisse pas Sambala, ne laisse pas l'ennemi te décourager ou détruire l'œuvre de Dieu dans ta vie, mais laisse le Saint-Esprit travailler ton cœur. Il a pris conscience, Néhémie, qu'il fallait faire une chose qui est aussi importante pour nous, et ce sera le dernier point que je voudrais partager avec vous ce matin. Il a pris conscience qu'il fallait protéger l'œuvre de Dieu. Protéger. Il faut construire un mur. Et si on regarde bien aujourd'hui, beaucoup de vies ont fait faillite, ont fait naufrage, de vies chrétiennes ont fait naufrage, parce qu'ils n'ont pas su protéger l'œuvre de Dieu. Et je voudrais tout de suite lire un texte avec vous que l'on trouve dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 2, verset 19. Voilà la manière dont on protège. Il est dit ici, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Il y a une jeunesse aujourd'hui qui meurt de faim au coin de toutes les rues, qui ont besoin de connaître Jésus-Christ. Béni soit Dieu pour cette jeunesse extraordinaire de notre mission. On est témoin, chacun d'entre nous, prédicateurs, de voir quelle action du Saint-Esprit Dieu est en train d'opérer au milieu de cette nouvelle génération. Des choses glorieuses. Moi, je dis qu'il n'y a aucune crainte pour l'avenir de la mission, Jimmy. On peut partir, peut-être pas avec une piqûre d'abeille, mais on peut partir sans souci, parce que Dieu est en train de préparer la relève. Il y a une jeunesse, il y a des hommes, des jeunes hommes, des jeunes prédicateurs qui en veulent pour Dieu, qui entraînent avec eux des jeunes de façon extraordinaire. Mais il y a aussi des jeunes que l'on doit protéger, chers amis. Et plus que jamais, je citerai simplement un exemple. Quand vous regardez ce qui se passe avec Facebook,
avec les internets. Tous les jeunes aujourd'hui ont internet. Tous les jeunes ont accès à n'importe quoi. Tous les jeunes font n'importe quoi avec cela. Ils sont en contact avec n'importe qui. Et il se passe de véritables drames, des foyers qui sont brisés. Des foyers brisés. Parce qu'on apprend d'un seul coup que telle ou telle personne a été en contact avec telle ou telle personne. Et puis d'un seul coup, elle a disparu. Et puis on apprend le drame. On apprend des situations terribles, dramatiques. C'est rien. Un petit téléphone, un petit Facebook, un petit contact, des petits copains ceci, des petits copains cela. J'ai écouté dernièrement un drame terrible. Une jeune fille de 16 ans, je crois, 15 ou 16 ans. Une belle petite jeune fille. On a humilié au travers de ses Facebook, au travers de ses YouTube, je ne sais pas quoi. On l'a humiliée, on l'a écrasée. On s'est joué d'elle, on s'est moqué d'elle. Et dans son désespoir, elle a mis fin à sa vie. Est-ce que vous pouvez imaginer cela ? Pensez pas qu'il faut protéger notre jeunesse, et même pas seulement les jeunes, mais même les jeunes couples, quelquefois. Pensez pas qu'il faut protéger. Il faut dire, attention, il y a un danger là. Attention, nous allons sonner de la trompette. Attention, Sambala cherche à détruire. Montons un mur. Ne dépassons pas les bornes anciennes. Souviens-toi, souviens-toi. Ne dépasse pas les bornes anciennes. Aujourd'hui, on dépasse les bornes. On ne sait plus où sont les limites. Vous savez, il y a un dicton, on dit comme ça. Ah, ben eux, ils ont dépassé les bornes. Mais en définitive, c'est un dicton du monde, mais qui a sa source dans la Bible, dans le livre des Proverbes, au chapitre 22. Ne déplace pas les bornes anciennes. Nous voulons garder les bornes anciennes, c'est-à-dire nous voulons faire un mur solide, avec des portes qui se ferment solidement sur notre mission pour que les nouvelles doctrines, les nouveaux enseignements, les nouvelles méthodes et tout ce qu'on voudra ne viennent pas détruire l'œuvre de Dieu. Nous voulons protéger, nous voulons garder, nous voulons dire à Sambala, non, tu ne détruiras pas l'œuvre de Dieu. Et tu ne détruiras pas mon foyer, et tu ne détruiras pas mes enfants. Prenons position, construisons un mur, protégeons l'œuvre de Dieu, protégeons nos prédicateurs. Il y a des prédicateurs qui tombent, qui chutent, qui ont des problèmes, des difficultés. Protégeons-les, prions pour eux, ne les critiquons pas, ne les pointons pas du doigt. Ce sont des hommes comme vous et moi. On peut avoir nos faiblesses, on peut avoir nos problèmes, nos difficultés dans les foyers avec nos enfants. Mais priez pour vos serviteurs, priez pour ceux qui travaillent à relever le mur. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand on se met au travail, et notamment pour relever le mur, il y a du travail pour tout le monde. Il nous est dit qu'il y avait un homme dans la Bible, dans le livre de Néhémie, vous pourrez le lire ensemble, mais ce n'est pas la peine, je vais vous le citer. Je crois que c'est au chapitre 11. Il est dit ici qu'au moment de la construction, tout le monde se mettait au travail. Ils avaient leur épée à la main et la truelle de l'autre main. Ils faisaient du ciment, ils montaient les pierres et les briques d'une main. Ils étaient alertes, hein. Travaillaient d'une main, imaginez-vous un petit peu, ils avaient pris la truelle d'une main, ils montaient le mur d'une main, ils avaient l'épée de l'autre. C'est-à-dire qu'ils protégeaient l'œuvre de Dieu, que si un ennemi apparaissait là au coin du mur, derrière une brique, ils étaient capables de le trucider et de lui dire « va-t'en !» De lui faire peur. Parce que c'était des combattants et c'était des bâtisseurs. Soyons des combattants et des bâtisseurs, chers amis. Et puis pas seulement ça, mais la Bible dit, et ça m'a touché. Nous ne sommes pas, bien sûr, pour le ministère des femmes, pas du tout. C'est la place aux hommes de prêcher l'évangile. Mais les femmes aussi peuvent travailler à construire le mur qui protège leur foyer, qui protège leurs enfants. Il nous est dit ici, dans le livre de Néhémie, que Shalom était un homme zélé pour Dieu. Il était zélé pour l'œuvre de Dieu. Il avait des capacités extraordinaires. Il était talentueux dans tout ce qu'on lui donnait, tout ce qu'il faisait réussissait. Et on a cité son nom comme un ouvrier extraordinaire dans ce livre de Néhémie. Et il y avait lui, tellement qu'il était zélé, il avait communiqué ce zèle à ses enfants. Il nous a dit que lui et ses filles travaillaient à la reconstruction du mur. Vous voyez que le zèle pour l'œuvre de Dieu se communique. Lorsqu'un père et une mère prennent des décisions spirituelles dans leur foyer, dans leur vie, et qu'ils veulent construire un mur pour les protéger, pour protéger leur foyer, pour protéger leur couple, pour protéger leurs enfants, pour protéger l'œuvre de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, l'action missionnaire et tout ce qui doit être protégé par la prière, par la consécration, par l'intercession, ceux qui bâtissent des murs autour de l'œuvre de Dieu, eh bien ils engagent, non pas seulement eux-mêmes, mais en plus de cela, leurs filles et leurs fils et leurs enfants. Ça m'a glorieusement touché, cela. Que Dieu fasse que, devant l'engagement des hommes, des femmes que vous êtes, des pères, des mères que vous êtes, eh bien vos filles et vos fils puissent prendre à cœur aussi l'ouvrage et construire avec vous l'œuvre de Dieu. Voilà la pensée que le Seigneur avait mise sur mon cœur. C'est ce que j'appelle
le processus de la restauration et du retour des captifs. Que Dieu fasse, et je terminerai là-dessus, que Dieu fasse ce matin que ceux qui sont captifs puissent revenir à la maison, puissent entrer dans ce processus, prendre conscience de leur état en disant « j'ai péché, c'est moi le coupable ». Ne mets pas la responsabilité sur Dieu, sur l'Église, sur celui-ci, sur celui-là, sur ton frère, ta femme, ton père, ta mère. Non. Place-toi devant Dieu, toi, et dis « Seigneur, j'ai besoin, moi, de venir à toi. Je suis ton enfant, mais je suis un enfant mort. Je suis ton enfant, mais un enfant perdu, Seigneur. Moi, je veux revenir dans ta maison. Et comme l'enfant prodigue, je retournerai vers mon père. Et laisse-moi te dire une chose, je le répète, Dieu est le Dieu de la seconde chance. Il ne laisse jamais éloigné. Il ne ferme jamais la porte à celui qui vient avec un cœur contrit et humilié. Il lui ouvre la porte, il le reçoit les bras ouverts. Mon fils, et ça serait la joie de l'Église ce matin, mon fils, ma fille qui était perdue est revenu à la vie. Mon fils, ma fille qui était mort, il est revenu. Que Dieu fasse que ce matin, tu reviennes à la vie. On prie le Seigneur ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, ce matin, de nous tendre la main, de tendre la main, Seigneur, à celui qui s'est égaré, celui qui a besoin de revenir dans la maison, celui qui doit prendre conscience que l'état dans lequel il se trouve n'est pas bon pour lui. C'est un état qui le conduira à la mort, mais que tu veux le ramener à la maison. Seigneur, travaille son cœur par le Saint-Esprit. Ramène-le par l'efficacité de la parole, parole vivante, puissante, qui est comme une épée qui pénètre le cœur et qui va au plus profond des sentiments et des émotions du cœur et qui parle au cœur. Seigneur, parle au cœur de tes bien-aimés ce matin. Seigneur, étends ta main. Seigneur, que notre autel brûle d'un feu, un feu divin 24 heures sur 24, car c'est là ce que tu veux. Non pas un feu passager, émotionnel, non pas un feu qui ne dure qu'un instant, comme une flamèche ou comme une étincelle, mais un feu permanent dans ma vie. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux où je me trouve, que le feu de Dieu brûle dans mon cœur pour te servir, pour te plaire, pour te louer, pour marcher avec toi, en toutes circonstances, favorables ou non. Seigneur, que mon temple, que ma maison te serve, que mon temple soit en bon état, que Seigneur, on entende de mon temple des chants d'allégresse, de louange, que Seigneur mon Dieu, la Shekinah de Dieu, qui depuis si longtemps n'est pas descendue dans ma caravane, dans mon foyer, dans ma maison, revienne avec puissance, Seigneur. Je veux voir ta gloire se manifester. Que la gloire remplisse le temple, que la gloire de l'Éternel remplisse mon cœur, remplisse ce chapiteau, remplisse cette assemblée, remplisse nos maisons, nos caravanes. Seigneur, étends ta main avec tout ce que tu nous donnes, tout ce qui est si précieux pour nous. Nous ne voulons pas que l'ennemi Sambala vienne s'en emparer ou le détruire, ou détruire le temple, ou détruire l'autel, ou éteindre le feu, ou étouffer ta parole, ou étouffer l'action de l'esprit dans nos consciences. Mais donne-nous à bâtir un mur solide, un mur où des hommes se tiendront en poste de veille, Seigneur, pour s'opposer aux attaques de l'ennemi, et que les portes restent fermées, Seigneur, pour empêcher toute intrusion et tout ennemi. Seigneur, étends ta main. Seigneur, bénis ces bien-aimés auxquels je me suis adressé ce matin. Ceux qui se sont éloignés de la maison paternelle, et comme nous le rappelait notre frère, ce sont tes enfants qui iront dans le ciel. Ce sont tes enfants qui sont attendus dans le ciel. Que personne ne manque, que cette assemblée, personne ne manque, mais que tous ensemble, après avoir reconnu nos fautes, nos manquements, nos péchés devant toi, nous puissions lever la tête et dire « Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, je suis prêt, ma lampe est allumée, le feu brûle, ta parole est dans mon cœur, le temple de Dieu est propre, il est saint, parce que c'est ce que tu veux qu'il soit saint. Seigneur, la muraille est solide et rien ne peut l'ébranler. Viens Seigneur Jésus, je suis prêt Seigneur. »